je me suis infiltré dans le premier défilé de mode de ma copine, les gars. Elle fait gagner des V-Bucks aux gagnants, donc vous inquiétez même pas, je vais tout faire pour remporter le défilé de mode. C'est parti! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, et aujourd'hui, on va faire mon tout premier défilé de mode sur Fortnite. Le gagnant remportera 2800 V-Bucks, j'ai trop hâte de commencer. Par contre, les gars, il y a un énorme problème, c'est que Jean-Fils s'est incrusté dans mon défilé de mode, et je dois absolument l'éliminer. Et oui, Blondie, je suis caché quelque part. Moi, mon but, ça va être de gagner les V-Bucks. On est tous prêts pour que tu nous donnes le premier thème, Blondie. Allez, c'est parti, le premier thème, ça va être la nature. Ok, c'est parti les gars, on rentre à l'intérieur de notre changement. Et du coup, le thème, c'est la nature. Mais attends, mais comment ça, c'est quoi ce thème, frérot? Alors, oh, peut-être ça, frérot. Je dis ça, je dis rien les gars, mais vous avez vraiment intérêt à bien choisir vos skins. Parce que la nature, c'est vraiment ce que je préfère le plus, c'est mon thème préféré. J'ai 3 minutes pour trouver le meilleur des skins. Mais ça, le problème, c'est que c'est un skin gratuit. Je pense que tout le monde va l'avoir. Il faut que j'arrive à trouver un skin nature qui a quand même de la rareté. Oh, celui-là, c'est le poisson dans les marécages. Je sais que c'est un skin plutôt rare, mais je pense que c'est un peu hors sujet. Avec tout le skin que j'ai, je dois bien avoir un skin de la nature. Oh, regarde ici, le pain d'épices. En vrai, c'est un skin que je vois que personne utilise en général. C'est un skin drôle, j'ai bien envie de l'utiliser. Du coup, on va prendre l'épi de maïs, les gars. On va déjà faire un tour pour voir si on a déjà des belles... Chose. Quel sac à dos je pourrais bien mettre? Oh, franchement, ça c'est compliqué. Oh, Blandine, je sais qu'elle adore Groot. C'est son personnage préféré dans Marvel. Et Groot, c'est un petit arbre. Donc je me dis, vas-y, ça a peut-être rien à voir avec l'épi de maïs. Mais je sais que dès qu'elle va voir Groot, elle va kiffer de fou. Je fais déjà mon petit tour pour jeter 2-3 coups d'œil à ce qui ressort. Ok. Il nous reste à trouver maintenant une bonne pioche. Allez, pourquoi pas une pelle classique comme ça, frérot. Une toute petite pelle. Et mais en vrai, vous avez quand même beaucoup de créativité, hein, les gars. Mon combo de skin, il est horrible, mais le thème nature, il est assez compliqué. J'espère gagner ce premier round. Les gars, ça fait 3 minutes. Je vais commencer mon jugement. Soyez prêts, parce que si je n'aime pas votre skin, vous serez éliminé. Ok, c'est parti. Blondine, elle commence à juger ses premiers abonnés. Moi, je vous le dis, les gars, je vais faire mon possible pour arriver en finale, parce que j'ai besoin de V-Bucks. Allez, c'est parti. Je commence ici. Ah, viens, viens, viens près de moi. Alors, on a Groot, ok, avec bébé Groot dans le dos. Je trouve que le sac à dos aurait pu être un petit peu plus travaillé, par contre. Donc, je suis désolée, mon Groot, mais ce n'est pas possible. Ici, on a... moi, je l'appelle Monsieur Poids. Voilà, on a Monsieur Poids avec ses bébés poids derrière. Pas très recherché, je trouve, de mettre le sac à dos que Fortnite donne déjà avec le skin dans le pack. Ah, oh, j'aime pas trop non plus. Je suis désolée. Trop simple. Alors, le Monsieur Sapin. Ok, avec la petite grenouille avec les ailes. En vrai, elle est assez rigolote. Et la petite pioche. En vrai, c'est sympa. C'est assez bien travaillé. J'aime bien. C'est original. Alors, juste ici, on a... Ok. Il manque quand même le petit thème nature, donc je suis désolée, mais je vais te supprimer. Alors ici, c'est plus Noël que nature, hein, la bichette. Donc malheureusement... Ah non, hey, mais il partait, il voulait pas se faire éliminer. C'est quoi ça? Waouh, mais il y a plein de broussailles. Comment je vais faire, moi? Ah ouais, j'avoue, ils ont tous mis le même skin de sapin Noël. Ben j'avoue, c'est compliqué de fou. Moi, bon, j'aime pas trop le sac à dos, broussailles. T'aurais pu faire mieux. Blandine, tu sais pourquoi ils ont tous mis ce skin? C'est parce que c'était un skin gratuit dans la boutique à Noël. Oh non, bichette, ça veut dire qu'ils avaient pas d'autres skins. Ah non, mais me dis pas ça, je vais pas vouloir les supprimer. Vas-y, bute-les, Blondine, vite, vite, vite. Non, lui, je l'aime bien, je le garde. Alors, ici, ok. Oh, j'adore les petites ailes, comme ça. Oh, j'adore. Pas de sac à dos. Hop là. Attends, il y a vraiment des gens qui ont pas mis de sac à dos, mais ils sont fous, eux. Oh non, c'est trop mignon. Oh, c'est bon, je garde. J'adore, de toute façon, j'adore. Mais c'est pas nature, ça, chou. Oh non, mais ça tombe, il avait pas d'autres skins. En fait, c'est ça qui me fait de la peine. Ça tombe, ils avaient pas. Ok, les gars, regardez, il y a Blondine qui se rapproche de moi. Elle va bientôt me juger. Si elle me tue dès le premier round, les gars, je vous le dis, je pète un câble. Alors, ici, j'adore le sac à dos. La pioche aussi, j'adore, je garde. La petite banane ici. Ah, bien pour le thème nature, la banane. Bah, je garde. Je trouve ça super original. J'avais pas du tout pensé à la banane. Encore un Monsieur Sapin. Ah, c'est marrant. Ça mélange été, hiver. C'est sympa, je garde. Ok, les gars, c'est à mon tour. Blondine, elle va me juger. Alors, nous avons ici un maïs, je l'ai pas encore vu. En vrai, c'est stylé aussi, c'est un peu comme la banane. Vas-y, s'il te plaît. J'y avais pas pensé. Allez, s'il te plaît, valide, valide, valide. Ok, let's go. On est passé pour ce premier round. Oh, c'était chaud, frérot, j'ai eu peur. Alors, ici, on a un Monsieur Citrouille. Monsieur Citrouille. Allez, je valide. Ça brille, c'est nature. De nouveau, la petite banane glacée. J'y avais pas pensé, c'est sympa. Allez, je te garde. Ah, un autre broussaille, c'est ton sac à dos qui va faire si je te choisis ou pas. Ah, oh, malheureusement, non. Je suis désolée. Oh non, ça fait trop de la peine, bichette. Alors, Groot, est-ce que tu as travaillé ton sac à dos? Oui, tu l'as travaillé. J'aime bien, je garde Groot. Ok, on a le petit côté galaxie que j'ai pas eu encore. En vrai, je trouve ça sympa, je vais garder. Alors ici, un piou-piou en forme d'eau, j'adore. C'est stylé, le petit Groot derrière, c'est sympa, je garde. Qu'est-ce que t'as mis comme sac à dos, chou? Oh, ça
ça fait genre il y a une petite fleur qui a poussé sur, sur le tronc d'arbre. C'est sympa, je garde. Blandine, est-ce que tu penses que tu m'as déjà passé ou pas pour le moment? Bah je crois que j'ai fait plus de la moitié, donc il y a une chance sur deux que je t'ai déjà passé. En vrai je pense que je t'ai pas encore passé. Ok, moi je ne dirai rien, en tout cas là j'ai hâte de passer au deuxième round. Ok bah attends, je me dépêche, mais là pour l'instant j'adore ce broussaille, je le garde. Alors juste ici. Ah méduse, ouais ça fait quand même serpent et tout, allez j'aime bien. Alors ici, pas assez naturel à mon goût. J'adore. Mais attendez, mais les gars, je crois que j'ai trouvé mon ensemble préféré là. Mais j'adore, c'est trop stylé. Oh, les touches de verre et tout, j'adore. Oh, Miaouzclé, ma vie. En vrai, c'est sympa, mais c'est pas assez naturel, je trouve. J'avoue, hein, Miaouzclé, il est pas naturel du tout, c'est un chat, frère. Bah, on a le petit bout derrière et tout, mais pas assez dans le thème à mon goût, désolé. Let's go. Bute le Blandine, continue comme ça. Poséidon, c'est quand même le dieu de l'eau, des océans. Alors, ton petit sac à dos, montre-moi ça. Ok. Rappel des quatre éléments de la nature. Pas mal aussi. En vrai, il a géré, hein. Je garde. Alors, on y est presque là, je pense. On a presque fini. Ok. J'aime bien les petites ailes comme ça en pin. Je garde. Non, mais Avatar, je sais que t'es censé être le maître des quatre éléments, mais ça fait pas assez naturel à mon goût, je trouve. Esthétiquement, hein, je parle. Pff, de nouveau, pas assez naturel. Trop de Groot. Ah, on a Groot version ado. Ok. Il manque un peu de verdure, hein. On aurait pu travailler le sac à dos. Mais je pense que j'ai terminé, là. Hein. Let's go, Blandine. T'as fini le premier round. Et je t'annonce que je ne suis pas mort, je suis passé. Ça, ça fait plaisir. Mais non, mais t'es passé. Oh, je suis choquée, j'en fiche. Je pensais vraiment que je t'avais éliminé. Les gars, c'est bon, on va passer au deuxième thème. Et le deuxième thème sera les monstres. Là, je veux voir vos skins les plus méchants, les plus effrayants, les plus dégoûtants. Ok, les gars, le thème, c'est monstres. Oh là là, ça tombe bien, des monstres. J'en ai plein, mon casier. En vrai, je pourrais grave utiliser un skin du chapitre 1, les gars. Pour ceux qui se souviennent, au tout début, il y avait eu un événement avec un monstre, les gars, et le robot. Oh les gars, regardez-moi cette dinguerie. J'avais carrément oublié que j'avais ça dans mon casier. Le skin du Démogorgon. En plus de ça, je sais que Blandine, elle kiffe de fou Stranger Things, c'est sa série préférée. Donc on va directement partir sur le Démogorgon. En plus de ça, il fait extrêmement peur. Par contre maintenant, il faut que je trouve un sac à dos qui marche avec. Oh, peut-être bien des ailes. Attends, voyons voir si j'ai pas des ailes qui font beaucoup plus peur que ça, voyons voir. Allez s'il te plaît, oh celles-là elles font peur. Oh, un Démogorgon volant. Vas-y, je mets ça directement. Et pour la pioche, je vais carrément prendre des os, les gars, les os du boss. Je pense qu'on a notre meilleur combo de skin. Il est juste incroyable. Les 3 minutes sont terminées. Je vais passer au jugement. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas, je veux du flippant, de l'épouvante. Enfin, vraiment un truc dégueu, quoi. Je veux que ça dégouline de partout. Oh, les gars, regardez. Heureusement que j'ai pas mis le skin du monstre du chapitre 1. Parce que regardez, lui, il l'a mis. Par contre, il est horrible, frérot. Moi, j'ai le meilleur combo de skin. Monsieur, vous êtes vraiment dégueulasse. C'est pas méchant, mais horrible. Oh les gars, regardez, il y a Blandine qui commence à juger juste à côté de moi. Je garde. Il a réussi l'épreuve. C'est une dinguerie, les gars. Oh, bah elle passe à moi. Allez, s'il te plaît, faites que je passe, faites que je passe. Oh mon dieu. Je sais que cette chose horrible. Allez, vas-y, vas-y. Approuve, approuve. Ah, mais j'adore, hein. Elle adore. Ah, j'adore. Flippant, dégueulasse, horrible. Je garde. Blandine nous a validé directement. Franchement, c'était le round le plus simple. Alors, Carnage. Ouais, mais c'est. Enfin, ouais, non, c'est vraiment un méchant. Par contre, mon petit Carnage, je suis désolée, mais je trouve que ce n'est pas assez travaillé. Mais je te fais des gros bisous, je t'aime très fort. Voilà. Blandine, elle commence à faire du kill, ça c'est bien ça. Il faut qu'il y ait un maximum de kills comme ça. On passe directement et le plus rapidement possible en finale. Alors, horrible. Ah, je le déteste celui-là. C'est vraiment le pire méchant. Il me faisait peur, il me traumatisait quand j'étais petite parce que j'ai quand même passé un petit peu de temps devant Dragon Ball, même si je m'y connais pas. Je regarde parce que vraiment il fait flipper. Ah, oh, mais c'est pas du tout pas assez dégueulasse à mon goût. Je suis désolée, mais stylé le skin. Oh non, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui a mis le même skin que moi. Il est pas sérieux, il m'a plagié. Eh, vas-y, retourne à ton truc, frérot. Ah, encore un méchant. Oh, j'adore la petite danse et tout avec la petite citrouille qui rappelle Halloween. Allez, c'est sympa, je garde. Cerber, c'est pas un vrai méchant. Il a un cœur tendre. Je suis pas d'accord. Ok, on a ouais, de là à dire qu'il est dégueulasse, justement, il a trop de charisme, lui. Non, non, trop de charisme. Ça va pas, je peux pas garder, quoi. Les sorcières, elles sont pas méchantes déjà de 1, je tiens à le préciser. Enfin, pas toutes, en tout cas. Mais c'est stylé, hein, parce qu'on a quand même le petit visage qui fait assez flipper, là. Le petit sac à dos, la petite tête, ouais, c'est dégueu, je garde. Alors, juste ici, le roi Hadès, ok. C'est dégueu, je garde. Ça me rappelle quelque chose, hein, quand même, ce skin. Hmm. Il est trop charismatique, je trouve. Il est pas assez dégueu.
Désolée, je supprime. Alors, juste ici. Mais déjà, du rose, c'est pas dégueu, Mchou. Alors, je te fais un petit câlin, mais par contre, je vais t'éliminer. C'est pas assez dégueu à mon goût, mon petit cœur. Désolée. Ah ouais, toi, t'aimes vraiment bien ce qui est dégueulasse, en fait, toi, Blondine. Hein. Ah bah oui, j'ai dit, je veux du dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, mais c'est de la triche. Ah non, je suis désolée, c'est de la triche. On peut pas changer après. Alors, ici. De nouveau, pas assez dégueu à mon goût. Je suis désolée, y a pas assez de bave. Attends, mais Blondine, là, t'es en train d'éliminer un maximum d'abonnés, les pauvres, là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai donné un énorme indice. J'ai dit que je voulais du gore, du dégoûtant, de l'effrayant. Si c'est pas assez gore, je ne prends pas. Alors, est-ce que c'est gore ça, Jean-Fils? Je sais pas si tu peux voir de là où tu es. Ou si c'est toi, c'est peut-être toi, Jean-Fils. En vrai, c'est peut-être moi, donc je te conseillerais de pas tuer cette personne. Non! Let's go, c'était pas moi. Oh oui, mais ça, c'est un prédateur qui fait peur. Ben voilà, ben oui, mais ça, je garde, mais bien sûr. Mais trop charismatique, frère. Non, 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 de nouveau, trop charismatique. Je suis désolée, je t'invite à un date. Ce n'est pas assez dégueulasse. Regardez-moi ça, ce style-là. Attends, comment ça, tu fais un date avec un abonné? C'est quoi ça? Non, c'est avec le skin que je fais un date, pas avec l'abonné. Ouais, fais attention à ce que tu dis, Blondine, quand même, hein. Alors, monsieur, là, vous cachez pas, n'ayez pas peur de moi. Mais madame, madame, je ne peux pas vous juger si vous. Partez! Ok. Elle voulait pas se faire juger. J'ai pas eu le choix. Elle voulait pas mourir. Elle s'est bien barrée, frère. Ah, merci de venir vers moi, Mchou. Alors, ok, il enlève son casque. Allez, je garde, c'est sympa. C'est sympa, c'est dégueu. Alors, ici, c'est quoi ça? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah, oui, c'est. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ce cyclope? Ah, je vois au loin, là. Ils ont carrément mis le skin du chapitre 1 de Fortnite. C'est un skin plutôt rare. Attendez, venez ici, les cyclopes. Est-ce que tu sais d'où proviennent ces skins ou pas? Je crois que c'est pas un monstre, un énorme monstre qui s'est battu contre un robot. Ouais, c'est exactement ça. Attends, il y en a deux en face de toi en plus, là. Ouais, je sais pas pour qui choisir. En vrai, je garde les deux. Je vous aime trop, les bichettes. Ils ont bien respecté le thème. Trop gentil, Blondine. Le round est terminé, on passe au troisième round. Let's go, Blondine, je t'annonce, tu ne m'as pas encore tué. Quoi? Oh non, mais là, c'est abusé, Jean-Fils. Comment tu fais? T'as des goûts de caca en plus. Bah, je pense que parmi tous les abonnés ici, c'est moi qui ai le plus de skins dans le lobby. Donc, en vrai, les défilés de mode, je gère la fougère, c'est normal. Les gars, c'est bon, j'ai trouvé mon troisième thème. Et ce sera le thème du rose. Je veux des paillettes dans ma vie, les gars. Ok, du rose, t'es sérieux? Pourquoi du rose et pas du bleu? Parce que là, c'est le thème des filles. Les gars, moi je veux du rose, je veux des paillettes. Ok, du rose, je comprends, Blondine. C'est une fille, elle kiffe le rose, c'est sa couleur préférée. Et si vous avez pas de rose, allez, violet, mauve, ça passe. Mais vraiment, je veux des coloris rose pétant. Je veux du flash et des paillettes. Maintenant, est-ce que j'ai des skins roses dans mon inventaire? Eh bien, écoutez, ça tombe bien, les gars. Ce skin, il est incroyable. Je savais même pas que j'ai ce skin. Et c'est un skin que j'ai jamais vu. C'est parfait, les gars. Je perds pas de temps, frérot. En 30 secondes, j'ai mon skin. Vas-y, on va carrément prendre la petite raquette royale. En fait, je pense que ce skin, c'est carrément une joueuse de tennis. On va trouver une pioche rose qui matche bien. Oh, pourquoi pas ça? Elle est trop stylée, cette pioche-là. C'est une de mes pioches préférées, les gars. On va cette fois-ci choisir un planeur. On va prendre un planeur rose comme ceci. Un petit parapluie. C'est magnifique. Et regardez ça. En moins de 20 secondes, les gars, on a notre skin tout rose. Il est juste incroyable. Ça fait 3 minutes, les gars. C'est parti pour le troisième round. Et honnêtement, Blondine, alors... moi, je te le dis, je suis 100% confiant. C'est impossible que tu me tues. J'ai le meilleur skin rose de la planète. Ah ouais, bah on va voir ça. Alors là, je vois un skin bien, bien rose, bien girly. Wouh, j'adore. Allez, je garde. Trop bien. En plus, avec la petite danse et tout. Wesh, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas du tout un skin rouge. Lui, c'est un skin rouge. Oh, lui, il va mourir direct. Oh non, mon petit cœur, mais pourquoi tu te caches, ma vie? C'est parce que t'es pas rose, c'est ça? Bah oui. Bah, du coup, sorry, but. Pas assez de rose à mon goût, malheureusement. Effectivement, Blondine, il y a des gens qui ont pas respecté. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont une autre couleur que rose, malheureusement pour eux. Et wouh, j'adore. Le petit cœur et tout la marre. Mais en vrai, là, on est sur du rose, mais tu vois, un peu mec et tout, ça prouve que le rose, c'est pas que pour les filles. En vrai, j'adore, je valide, je supprime pas. Ok, les gars, let's go, je suis passé, elle m'a pas tué. Alors, en vrai, c'est grave girly, une licorne. Allez, je garde. Attends, t'es sérieux, t'as pas tué la licorne? Elle est horrible, la licorne, faudrait la tuer. Non, elle est trop belle, ma petite licorne, juste ici. En vrai, j'aime bien, mais pour moi, le skin aurait pu être encore plus girly et plus pailleté. Mais je t'adore quand même, hein, mais je suis obligée d'en supprimer. Oh, les gars, vous avez vu, elle vient de tuer le mec. Oh, la double kill juste ici, allez, s'il te plaît. Oh, j'adore. Oh, elle kiffe, les gars, vous avez vu? Non, mais attendez, c'est clairement le meilleur skin du défilé, les gars, mais c'est trop stylé. Non, mais je valide. Voilà, voilà, c'est ça, elle valide, les gars. Attends, est-ce qu'il fait une danse ou pas? Bonjour, faites une danse? Eh oh. Attends, elle me demande de faire une danse, vas-y, j'improvise. Ah.
Ok. Bon, la danse, t'es un peu nul, hein, mais c'est pas grave. Oh, j'adore, grave girly, j'adore. La danse, un peu nul, ok, mais je suis pas assez, donc je m'en fous. Est-ce que tu kiffes ce défilé de mode pour le moment, Blandine, là? J'aime beaucoup ce défilé de mode. En vrai, c'est très. Ah, oh, ça, je m'y attendais pas du tout, mais j'adore. Mais c'est trop bien trouvé. Mais un des meilleurs aussi. Oh non, je suis jaloux. Et on a, je pense. Oh, j'adore. Mais mon dieu, mais on a tout de nouveau. Les paillettes, le girly, le transparent, le flash, le fluo. Non, mais c'est bon, j'adore. Je garde. Juste ici, là-bas, on en a un qui est paumé. Le pauvre, il est tout seul. En vrai, c'est vrai que c'est girly, hein, je dis pas. Mais pff, trop simple. J'ai terminé, les gars. On passe au quatrième round. Let's go. Et encore une fois, Blandine, tu ne m'as pas tué. Quoi? Non, mais laisse abuser, par contre. Genre, tu mens. Moi, Blandine, je te l'ai dit, je suis là pour gagner les V-Bucks aujourd'hui. Mais ouais, c'est sûr, Jean-Fils, comment tu fais? Non, mais il va quand même pas gagner les V-Bucks, les gars. Non, mais c'est pas possible. Moi, je veux que ce soit mes abonnés. Mais les gars, battez-vous. Hein. Moi, je veux pas que ce soit Jean-Fils qui gagne. Et d'ailleurs, si toi aussi t'as envie de participer à de futures vidéos comme celle-ci, rejoins mon Discord qui est en première ligne de description. C'est là-bas que je fais toutes les vidéos avec mes abonnés. Et c'est là-bas que j'offre des V-Bucks gratuits. Donc, qu'est-ce que t'attends? Rejoins. Pour le quatrième round, j'ai pensé à un thème qui me tient énormément à cœur. Je veux le thème de la nuit. C'est très vaste, mais si vous me connaissez bien, il y a moyen que vous trouviez des petites choses qui vont faire que je vais vous garder en vie, les gars, parce que vraiment, le thème de la nuit, il y a tellement de choses que j'adore. Donc voilà, vous avez 3 minutes pour faire le meilleur thème de nuit. Et trop hâte de voir ça, parce que vraiment là, j'attends beaucoup de... Le thème de la nuit, oh là 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 là. Alors j'avoue que c'est plutôt vaste, il y a plusieurs possibilités. Soit je mets un skin sombre qui fait peur, mais je connais Blandine, quand elle dit ça, c'est plutôt un skin de soirée, les gars. Donc je vois bien un skin de meuf bien sapé. Je vais essayer de trouver ça. Ou alors un skin de mec, frère. Ouh, eh frérot, il est incroyable celui-là. En vrai, c'est risqué, mais je le garde de côté. Je vais voir si j'ai pas mieux. En vrai, ce skin-ci, il a l'air d'être pas mal aussi. Ça fait vraiment skin de discothèque. Mais c'est pas un skin très très rare. Alors qu'en vrai, ce skin, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie sur ma carrière de Fortnite. Il a un costume vraiment original. Il est bien sapé. Donc vas-y, je vais le choisir. Bien sûr, avec sa version lunette. Voilà, comme ça, ça fait vraiment gros beau gosse. Bon, par contre, pour trouver un sac à dos, ça risque d'être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on prend quand on va en soirée? On prend des bouteilles. Oh, on a des bouteilles. Mais ça va pas du tout avec le skin. Attends, laissez-moi réfléchir. Ah, c'est compliqué, frérot. Le skin, il est incroyable. Oh! Oh là 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 là! Ah ouais, les ailes de Billie Eilish, ça passe vraiment crème en vrai. Vas-y, tu sais quoi? C'est un peu farfelu, mais je vais prendre ça comme sac à dos. La pioche, c'est aussi très 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 important. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? C'est compliqué, hein. Je pense que c'est le thème le plus difficile pour le moment. Oh! Une rose! Non, en vrai, j'allais dire, vas-y, on prend une rose pour l'offrir à une fille dans la boîte de nuit. Mais pas du tout, frérot, c'est un peu bizarre. Oh, une guitare pour le thème de la nuit. En vrai, ça passe de fou, frérot. Vas-y, tu sais quoi? Il faut aussi mettre un planeur. Le planeur de Travis Scott. Oh, il est incroyable. Ça, c'est un des planeurs les plus demandés. Et je pense qu'il passe parfaitement avec ce skin. C'est bon, les gars. On a notre combo de skin. Et franchement, j'en suis plutôt fier. Je pense que tout le monde a terminé. Donc, vous pouvez venir au centre, former une file juste ici, là où je suis. Coucou. Ok, Blandine. Moi j'ai terminé mon combo. Est-ce que tout le monde a terminé ou pas là? En vrai les gars, on vient de rentrer dans le top 10. Donc il y a de fortes chances que je gagne cette vidéo, Blandine. Est-ce que tu t'inquiètes ou pas? En vrai j'ai peur de passer à côté de toi, je te jure. Oh non, il faut pas que tu gagnes les V-Bucks, Jean-Fils. C'est pour un abonné. En vrai les gars, je suis méga confiant. Regardez, ils sont tous à côté de moi, les abonnés. Et c'est clairement moi qui ai le meilleur des skins. Bon les gars, c'est prêt, je vois que vous êtes prêts. Et en vrai, je vois des petites pépites. D'autres qui me déçoivent un petit peu. Mais bon, je vais le dire au fur et à mesure. Raven, viens avec moi et vole. Montre ton petit planeur, que je puisse le voir. Ok, donc là, on va voir les planeurs. Est-ce que le planeur passe bien avec son skin? Aïe, 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 aïe. Oh, pas du tout, désolé, Raven. Ah non. Mais s'échappe. C'était moi. Oh non, je suis mort. Eh ben, je rigole, je suis pas mort. Non, mais c'était sûr que c'était pas toi quand même. T'as un minimum de style, Jean-Fils. Alors, monsieur sans tête, venez avec moi. Allez-y. Attention, est-ce que le planeur est propre ou pas, là? Je le vois pas... Ah ouais, non, pas trop avec le skin. Maintenant, il a quand même géré, hein, sur le thème de la nuit. Ça fait un petit peu ninja. Allez, j'hésite. Je vais le garder de côté, on sait jamais. Cerber, vas-y. Tu peux montrer ton planeur. Ouh. Oh, j'adore. Ah ouais, le planeur Batman, il fait trop flipper, frère. Dark Vador, allez-y. Ah, j'adore, il va trop bien. Ah, mais c'est dur, c'est difficile. Bandine, moi, si j'étais toi, je le tuerais. C'est pas du tout le planeur de Dark Vador. Ben ouais, mais c'est quand même assez spécial. En vrai, laisse-moi choisir. De toute façon, c'est mon défilé. C'est le planeur du Mandalorian.
rien, ça n'a rien à voir. Et donc attends, ça veut dire que lui, c'est pas toi? Je sais pas. Lolé, je vais te trouver, je m'en fiche. Lui, j'adore. Franchement, j'adore. Montre-moi ton planeur. Yes, les gars. Let's go. Ok, les gars, on va montrer le planeur. Attention. J'espère qu'elle va kiffer. Oh non, le planeur, il est nul. Oh, désolé, j'ai trop de déception pour le planeur. Genre, je m'attendais à mieux. Non, me tue pas. Ah, c'était pas moi. Oh, j'adore. C'est dans le thème de la nuit, j'aime bien. Oh, les gars, c'est bientôt à moi. Je vous mens pas, je suis un peu stressé. Même si, on va pas se mentir, je pense que c'est clairement moi qui ai le plus beau des skins. Monsieur, bah, super canon, bonjour. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Non, je rigole. Allez, monte ton planeur. Allez, les gars, c'est à mon tour. Elle va kiffer mon planeur, je pense bien. Regarde-moi ça. Mais c'est pas un planeur de la nuit, ça. Comment ça, c'est pas un planeur de la nuit? Ah, j'hésite en vrai parce que j'aime bien, mais c'est plus enfer. C'est un peu Lucifer. Hein. Allez, s'il te plaît. Ouais, non. Non! Mais okay. Quoi? Alors. Quoi? Juste ici. Mais quoi? Tu m'as tué? Mais Blandine, la vie de ma mère, c'est quoi? C'est dingue, tu m'as tué! Oh non, j'ai envie de pleurer. Là, il faut que tu m'expliques comment ça se fait. Mais c'était pas la nuit! Comment ça? C'était pas la nuit! Blandine, t'as dit le thème de la nuit. La thème de la nuit, pour moi, c'est la soirée, c'est la boîte, frère, c'est être bien sapé et tout. Et t'as osé me tuer? Mais c'est festif, ça, c'est pas la nuit, c'est le rock'n'roll. C'est ton planeur, c'est quoi ça? Vas-y, moi, j'ai trop le seum. Du coup, les V-Bucks, c'est pas pour moi. On va laisser maintenant les abonnés participer. Qui parmi ces 6 abonnés vont remporter les V-Bucks? Je te laisse continuer, Blondie. Allez, tu peux montrer ton planeur, Chou. Par contre, le planeur, il va pas trop avec, hein, Chou. Allez, hop. Là, franchement, t'as été sévère. Hein. Moi, je le kiffais, ce skin. Hein. Ça allait pas. Le skin était bien, mais pas le planeur. C'était important qu'ils aillent ensemble. Comment il s'appelle encore, lui? Ça, c'est Chewbacca, frérot. Là, ça, tu t'es obligé de le tuer. Ah oui, voilà, Chewbacca. Mais Chewbacca, qu'est-ce que tu fais dans le monde de la nuit? Allez, hop. J'avoue que là, même si elle planeur, malheureusement, ça n'aurait pas été. Du coup, on a nos 4 finalistes, les gars. Félicitations à vous. On va passer au 5e round et au dernier. Et on verra qui gagne les V-Bucks. Blandine, est-ce que je peux donner le thème pour la finale ou pas? Allez, donne le thème, Jean-Fils, je te dois bien ça. Ok, j'ai une idée de fou, les gars. Allez tous à votre cabine. Le dernier thème, le thème qui va vous départager, ça sera le thème sportif. Et cette fois-ci, vous n'avez pas 3 minutes pour vous changer, mais 5 minutes. Donc choisissez bien votre skin. Allez, les gars, courage. Le mode sportif, en vrai, il y a pas mal de choses à faire. J'ai mon petit sport préféré en tête. Et j'espère que vous allez le trouver. C'est parti du coup pour la finale. Nous avons nos 4 abonnés juste ici. Et du coup les amis, je vais vous demander d'aller tous dans une voiture. Comme ça je vais pouvoir voir le revêtement que vous avez sur votre voiture. Alors déjà, vous respectez le thème hein, pour le moment. Alors ça j'adore, je trouve ça va super bien avec ton skin. Donc t'as géré, tu peux rester dans la voiture hein, ok Blandine, c'est des sportifs. Mais là j'ai l'impression qu'il y a un problème. C'est 2 paires de jumeaux, c'est quoi ça? C'est une dinguerie. Juste ici, ok. Oui ça va avec le skin aussi, mais très très simple hein, le revêtement. Juste ici ça rappelle les petites lumières dans le trophée. J'aime bien, je valide. Mais alors ici par contre, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, il a fait quoi lui? Mais c'est pas un revêtement, ça c'est la voiture de... Je suis désolée, du coup tu vas être éliminé. Vous êtes plus que 3 les gars. Aïe, 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 aïe. Allez maintenant, montrez votre planeur les amis, un par un par contre, parce que sinon je pourrais pas me concentrer sur tout le monde. Allez, commence. Ok, ouais. Oula. C'est pas très sportif, hein, c'est plus musical. Ouais, ça c'est planeur DJ, moi je valide pas personnellement. Hein. Hop, alors ici c'est quoi? Oh, j'adore! Ok, je valide. Hop, à toi. Oui, ça ressemble à du parapente. Voilà, tu peux retourner là. J'ai peur de me tromper. Tu peux retourner là, s'il te plaît. Vas-y. Ouais. Vas-y. Allez, Chou, vas-y. Ouais, c'était lui. Oh non, je suis désolée. Je vais devoir t'éliminer. Ah, j'arrive pas. Oh, j'ai failli tuer l'autre. Oh, si j'avais tué l'autre, j'aurais été trop mal. Ok, les gars. Donc là, il te reste 2 abonnés. Tu dois choisir celui qui gagnera les V-Bucks. Oh, aïe, aïe, c'est horrible comme décision. Oh non. Trop de pression sur mes épaules, c'est horrible. En vrai, ils méritaient tous les deux de gagner. Bon, du coup, pour vous départager, vous allez me faire votre meilleure danse. Et je choisirai du coup qui est le gagnant. Allez-y les gars, vous pouvez montrer votre danse. Ok. Oh! C'était plus sportif le Belge. Je suis désolée, mais en plus, il a le maillot de la Belgique. What? Tu es le grand gagnant. Félicitations à toi, la joueur de foot belge. Franchement, je trouve que tu as très, très bien géré ça. Et félicitations à toi. Tu vas recevoir tes V-Bucks. En tout cas, j'espère, les gars, que cette vidéo vous a plu. Jean-Fils, est-ce que ça t'a plu? Moi, ça m'a plu, mais j'ai trop le seum. Moi, je te dis, Blandine, s'il y a 10 000 pouces bleus, je me venge et on inverse les rôles, les gars. C'est la fin de cette vidéo, donc clique juste ici pour en voir une autre. Juste là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour rappel, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss!